Ok, nous avons une de nos mères qui, je crois bien, à Londres. Oui, allô? Bonsoir, chère Oui, mère. bonsoir. Oui, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ok. Excusez-moi, ça passait pas bien en fait. Ah, ok. En fait, j'ai pas trop suivi tout parce que j'étais un peu occupée avec les enfants. Ok. Mais je sais pas trop le sujet, de quoi vous parlez. En fait, j'ai juste suivi une partie, mais là, je Et sais donc, vous pas. pourrez intervenir sur quoi vous voudriez intervenir. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Ah. Et en fait, moi, je voulais intervenir sur ce qui se passe à Dubaï, par exemple, dans le sens où j'estime que c'est très, très grave. Et par rapport à nos jeunes soeurs ou nos soeurs qui vont là-bas. Et en fait aussi, le fait que ça se passe sur nos soeurs, c'est une preuve que on n'est pas, enfin, la femme ou les Africains ou les Africaines en général, on n'est pas vraiment respectés en fait dans le monde. Parce que c'est tellement. Bon, je sais que c'est pas seulement les pratiques, ça se fait pas seulement sur les femmes africaines. Mais là, en ce moment, c'est comme un moyen facile pour gagner de l'argent par rapport au réseau qui a été mis en place, quoi. Mais en fait, je voulais interpeller aussi, je pense que c'est nos. Bon, nos. En Afrique, quoi, par exemple, peut-être des politiques qui n'investissent pas vraiment sur la jeunesse ou la population. En fait, ce que je veux dire, en fait, c'est que la richesse d'un pays, c'est pas seulement les matières premières ou ce qu'on trouve dans les sous-sols, tout ça. C'est le peuple, en fait. C'est les hommes et les femmes, enfin, les enfants de ce pays. C'est eux qui sont la richesse, en fait, du pays. Et quand on n'est pas. Par exemple, quand le système éducatif, les emplois, tout ça n'est pas mis en place, bah, ça peut arriver à tout ce qu'on voit, par exemple, les jeunes qui veulent traverser pour venir de l'autre côté, ou bien là, on parle des gens qui vont à Dubaï. Donc, en fait, c'était plus pour dire que la vraie richesse d'un pays, c'est sa population, en fait. Et qu'on devrait plus vraiment peut-être considérer ou valoriser notre jeunesse, parce que par exemple, l'Afrique, c'est le continent qui a le plus jeune au monde, qui est le plus jeune au monde, en fait, comparé aux autres continents. Et donc, ça veut dire qu'on doit miser dans la jeunesse, quoi. Donc, c'est miser dans l'avenir du pays. Et si les jeunes sont formés, même si on ne peut pas les. Parce que par exemple, au temps d'avant, par exemple, au Côte d'Ivoire, je sais que les étudiants, le président d'avant, il envoyait les étudiants aller étudier dans d'autres pays et après revenir. Enfin, je parle de temps du président au feu poignet, en fait. Et puis, même les pays comme le Gabon, tout ça, ils ont envoyé beaucoup d'étudiants à l'étranger. Mais maintenant, je pense que peut-être qu'on devrait plus faire venir des professeurs ou d'autres gens qui viennent former les gens sur place pour pas qu'ils puissent sortir, quoi. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'était juste pour dire que c'est la richesse d'un pays, c'est son peuple, en fait. Donc, c'est juste ça que je voulais ajouter, en fait. Ok. Voilà, c'est tout, en fait. Vraiment, merci Ah, je ne beaucoup. sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, je suis totalement d'accord avec vous parce que la ressource humaine est celle-là même qui est capitale et fondamentale parce que parler de développement, c'est d'abord parler de l'homme lui-même qui doit créer ces richesses-là. Et en même temps aussi, l'homme doit être au début, au centre et à la fin de ce développement. Et la ressource humaine, je crois bien que les autorités, même hier, j'ai lu un article ici, où elles ont bien compris le bien fondé de la ressource humaine. Et je crois, c'est pour cela que beaucoup d'écoles, beaucoup de centres de formation, et surtout, de nouvelles analyses sont faites. Ces analyses même qui peuvent être en adéquation avec les réalités et les besoins du terrain, je crois que c'est très important. Parce qu'une chose est de s'en offusquer et de se plaindre et de souvent même condamner ces personnes.
Mais il faut aussi condamner même notre société qui n'offre pas beaucoup de perspectives à l'homme avec grand H. C'est ça, c'est Et ça. ça, c'est vraiment Et en très... fait, Ok. oh, pardon, je voulais rajouter un truc. En fait, bon, moi, je me suis posé des questions, j'ai fait quelques recherches par rapport aux droits de l'homme. Je sais que les droits de l'homme et du citoyen ont été promulgués, je crois, en 1789 en France. Et pour moi, j'ai vu qu'à cette époque, quand on suit l'histoire, le peuple noir, on était toujours en esclavage, en fait. Donc, pour moi, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais si on dit les droits de l'homme, mais c'était quel homme? Parce que nous, on ne faisait pas partie de ça, puisqu'on était exploité à cette époque-là. Mais c'est cette même, comment on peut dire? C'est ces mêmes droits-là, ou c'est ce papier-là qu'on utilise toujours aujourd'hui. Ça n'a pas changé. On n'a pas dit oui, comme les Noirs sont sortis de l'esclavage, ou bien ils ont été. On n'est plus colonisé. En fait, il doit y avoir des changements, en fait, parce que c'est comme si c'est une loi, en fait, qu'ils ont fait à cette époque pour dire que tous les hommes naissent libres et égaux, tout ça, mais nous, on ne faisait pas partie de ça. Et même après la Deuxième Guerre mondiale, 1948, les pays africains n'étaient même pas encore indépendants. On a commencé à avoir les indépendances en 58, 60, tout ça. Donc, les deux dates dans l'histoire, nous, le peuple noir, on ne rentre pas dedans. Bon, c'est comme si c'est un truc, en fait, c'est un peu camouflé, en fait. C'est camouflé. Donc, nous, on pense qu'on est libre, ou on pense qu'on a tous les droits comme les autres, mais en réalité, on ne l'est pas. Parce que les Blancs, ils utilisent le papier et le bic. Donc, ce qu'ils ont écrit là, c'est ça. Mais ils savent à qui comment dire ça? Enfin bref, Non, je vous comprends. Je vous comprends et je sais parfaitement. pas si quelqu'un peut-être que je me trompe ou bien qu'est-ce qu'on peut en dire par Ok. rapport à ces deux dates et le fait que Ok. moi je pense qu'on ne fait pas partie de ça. Ok. Effectivement, ce que vous venez de donner, c'est votre avis. Et ici, c'est la plateforme du bouillonnement intellectuel, comme on aime à le dire. Et j'aimerais dire à ceux qui nous suivent que le frère a mis le budget portant sur dotation des différentes régions en 2017. Il a posté le document. Et donc, tout le monde peut vérifier. Et donc, relativement à la question de savoir si l'homme noir est réellement inscrit dans l'histoire et que la Constitution sur le droit de l'homme écrite dans les années 1800, je tenais d'abord à vous dire que nous autres Africains, c'est parce qu'aujourd'hui, nous mesurons nos paradigmes avec ceux de ceux qui veulent nous gouverner et de ceux qui nous ont dominés à un certain moment. Mais à la réalité des faits, est-ce que vous savez que dans la culture mandingue, ce qu'on appelle aujourd'hui de façon prosaïque le Mali, depuis le 11e siècle, vous savez qu'on avait une constitution qui s'appelait le Kourou-Kanfouga? Et dans ce Si Kourou... vous pouvez m'expliquer ce que c'est, Oui, c'est long, on ne peut pas expliquer une constitution en 2 minutes. Mais est-ce non, que... pas Oh. expliquer, mais je veux dire, C'est à cela que j'en voilà, venais. je sais, en fait, je C'est sais à pas. cela que Ok. j'en venais. Voilà. Comme pour vous dire que tous les besoins de la société avaient été catégorisés et les droits de l'homme y étaient et bien définis selon tous les besoins de la société de l'époque. Mais le vrai problème de l'homme noir, ce n'est pas qu'il ne soit pas inscrit dans l'histoire. Parce que c'est quoi l'histoire? L'histoire, si on veut l'interpréter d'une certaine façon simpliste, c'est ce que quelqu'un conçoit comme son potentiel dans le temps, en termes d'acquis comme d'expérience. Or, il se trouve que nous autres, nous n'étions pas une culture vide. Mais à partir d'un moment, nous nous sommes coupés de notre propre culture à cause des circonstances historiques que la colonisation et l'esclavage. Et en même temps, nous n'avons jamais voulu renouer avec cette culture-là. Et la culture occidentale vers laquelle nous voulons aller, il est naturellement vrai que nous ne pouvons pas la maîtriser puisque nous devons l'apprendre. Voilà le contexte de l'homme. En fait, nous sommes un peu piégés dans l'histoire de l'évolution. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que nous n'avons pas d'histoire. Dire que les Africains n'ont pas eu d'histoire, c'est dire que l'Égypte antique n'a jamais existé. En fait, je ne dis pas qu'on n'a pas eu d'histoire. Non, non, je vous En fait, comprends. ce que j'ai dit, Ok. je n'ai pas dit qu'on n'a pas d'histoire. Parce que même ce que vous venez d'expliquer là, donc c'est comme si c'est eux qui ont copié
sur ce qui existait déjà pour créer leur société d'aujourd'hui. Et ça, Mais c'est comme ce on a que, été effectivement, colonisé, ok. comme vous avez dit, on a accepté ça et puis on l'a rejeté pour nous. Donc peut-être qu'on doit maintenant faire machine arrière et reprendre, récupérer ce qui nous appartient pour pouvoir fonctionner normalement, en fait. Parce que là, actuellement, on n'est pas nous-mêmes dans un sens, si je suis ce que vous dites, quoi. Effectivement, c'est à cela que j'en venais et c'est pourquoi souvent j'aime beaucoup qu'on me permette. Vous voyez, quand vous parlez, je n'interviens pas, n'est-ce pas? Et ça, c'est un peut-être de mes défauts. J'aime permettre à tout le monde de parler, mais quand je parle, ma structure de réflexion est un peu complexe. Si vous ne suivez pas, vous allez être en train de répéter des morceaux de ma réflexion et je vais être en train de répéter les mêmes choses et en réalité, ça nous perd le temps. Et c'est pourquoi, si vous me donnez le temps de m'expliquer, vous allez bien comprendre. Et donc, comme je le disais, comme vous avez vu un segment, vous pouvez reprendre même dans le dictionnaire, vous tapez l'Égypte antique ou les civilisations de la Nubie, vous verrez ce que l'Afrique était avant les premiers contacts avec les autres. Et les premiers Grecs, Hippocrate a passé 25 ans en Égypte en train d'apprendre la médecine. Pythagore, on connaît le temps qu'il a passé en Afrique. Et tous les autres philosophes que vous connaissez, les Pythagore et autres, et même Jésus-Christ, et même le prophète de l'islam, parce que quand il a demandé à ses fidèles de venir chez les prêtres chrétiens de l'Abyssinie, qui est l'Égypte aujourd'hui, ça c'est en Afrique quand même. Bien sûr. Et je me souviens que Moïse aussi était en Afrique, ici chez nous en Égypte. Est-ce que ça veut dire que ce peuple-là n'avait pas un potentiel culturel? Non. Et en ce moment, on se pose la question de savoir quel était l'état social, économique et évolutionnel même de ces populations-là, quand on sait que l'Égypte était la civilisation même tournante du moment. Et donc, comme pour vous dire, effectivement, il y a l'ombre d'aucun doute, et tout le monde le reconnaît, la civilisation gréco-romaine est née sur les cendres de la civilisation égypto-nubienne. Mais c'est un faux jugement que de dire aux Africains, vous êtes complètement noyés dans l'histoire. Si nous acceptons ce postulat, ça veut dire que nous n'avons jamais été. Alors que la meilleure manière pour un être humain, c'est de se focaliser sur ce qu'il a comme acquis et pouvoir se projeter dans l'avenir. Voyez-vous, le développement, le modèle de développement actuellement que nous subissons, parce que c'est le modèle économique occidental qui domine, c'est une réalité qui est indubitable, mais moi je vous le dis, elle ne marchera jamais pour l'Afrique. L'Africain véritable n'a pas besoin de gratte-ciel. Nous n'avons pas besoin du modèle occidental comme il se voit actuellement, et ce modèle-là même est en train de montrer ses limites dans la gestion même de la nature. Et je vous le dis, je n'ai pas le temps, sinon même dans le Kourou-Kanfouga, la protection de la nature faisait partie, avec des détails bien précis. Et donc, ce que vous dites, vous avez totalement raison. Nous avons été piégés dans l'histoire du monde. Mais combien d'Africains aujourd'hui savent que pour pouvoir redécoller à nouveau, c'est de commencer à être fiers de nous-mêmes d'abord et à se dire que nous pouvons nous mettre au travail. Parce que ne sert à rien une personne qui est fière mais qui ne travaille pas. Et le travail que nous allons faire, il faut que ce soit un travail qui réponde d'abord à nos besoins. Il faudrait qu'on arrête de cultiver le cacao et le café pour faire plaisir à l'Occident, parce que le vrai Africain n'a pas besoin du café autant que l'Occidental, mais il faut qu'on cultive d'abord pour nourrir nos ventres. Et quand nos ventres seront sécurisées, comme aime le dire l'aîné Nieba, en ce moment, les cerveaux vont commencer à réfléchir. Et c'est ce qui manque véritablement à l'Afrique. Et à mon sens, les aides bilatérales ou multilatérales qui sont accordées à l'Afrique, combien d'Africains en voient les bénéfices de façon concrète dans leur vie? Je dirais pratiquement 0%. Mais de façon concrète, si on mettait chacun au travail, de quelque manière que ce soit, avec ses propres compétences, vous verrez que chaque élément de la société devient utile à la société. Et ça sera le seul mécanisme pour l'Afrique de s'en sortir. C'est vrai que l'Afrique a été glorieuse, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour reconquérir d'abord notre dignité en tant qu'humanité et en tant que peuple? Voilà la vraie question. Et moi, selon mon jugement personnel, cela passera inévitablement par le travail.
Parce que c'est par le travail que l'Occident aussi s'est imposé, que la Chine s'est imposée, que l'Inde même aujourd'hui s'impose au monde. Et c'est sur ce terrain-là que l'Afrique doit d'abord venir. C'est vraiment important. C'est ce que Je j'allais suis dire pour d'accord l'instant. avec vous. Non, c'est clair, c'est exactement, je suis d'accord avec vous. Parce que c'est pour ça que je dis que c'est les personnes, les peuples qui doivent être formés et tout ça pour qu'on puisse développer. Effectivement. Et en fait, ouais, l'Afrique, comme vous avez parlé de l'Égypte, tout ça, et ça, c'est nos ancêtres. Maintenant, nous, c'est nos ancêtres, mais nous, on est leurs enfants, donc. On a la même capacité si tout est mis en place pour qu'on puisse fonctionner, quoi. Mais je peux vous Donc, dire quelque on chose. est bien. Je peux vous dire quelque chose. Nos ancêtres auraient honte de nous aujourd'hui parce que eux travaillaient. Mais ils ont honte. Mais nous, nous Ils ne ont honte, travaillons c'est pas. vrai, ils ont honte. Voilà, donc il faut dire que Ils ont on ne honte. fonctionne même pas avec leur paradigme et on ne fonctionne pas aussi avec les paradigmes occidentaux. Et donc ça veut dire que nous sommes des piégés de la vie en fait. Et comment sortir de cette prison? Pour sortir de cette prison, il faut restaurer la dignité de chaque homme africain en lui disant de quoi es-tu capable? Qu'est-ce que tu peux apporter à toi-même et à la société? Une fois que chaque Africain et chaque Africaine pourra répondre de façon concrète à cette question et de façon évidente, vous verrez que l'Afrique va retrouver son chemin et on n'aura pas besoin d'aller prendre des milliards pour hypothéquer les réserves de l'Afrique ou bien pour trop parler sur Internet. Parce que vous êtes d'accord avec moi, quand nous arrivons en Occident, notre manière de voir le monde change et on devient tous subitement très courageux. Mais quand on est en Afrique, on ne s'imagine même pas ce potentiel de courage que chacun de nous a. Donc, ça veut dire que l'homme africain peut travailler. Parce que quand on quitte pour aller en Occident et qu'on n'a plus le choix, on s'y met. Et donc, je crois que c'est à cela que les dirigeants doivent contraindre les peuples africains. Je dis bien contraindre, pour qu'on puisse avoir un avenir assez radieux. Sinon, toutes les solutions alternatives pour moi ne marcheraient pas. L'aide au développement, c'est une assistance empoisonnée. Les prêts des grandes institutions financières, un banquier ne va jamais te donner de l'argent s'il sait qu'il ne va pas faire un intérêt. Et donc, quand est-ce que toi, tu vas réaliser ton intérêt? Voilà où se trouve la problématique de l'aide avec les grandes institutions financières. Et donc, ça veut dire qu'il faut laisser tomber tous ces paradigmes-là. Et moi, je le dis clairement, l'Afrique doit prendre un temps pour se refermer sur elle-même et se corriger. C'est ce qu'on appelait peut-être le Big Reset ou bien ce que vous voulez. Mais l'Afrique en aura forcément Comme besoin. Cuba avait fait, par exemple. Cuba, ils ont fait ça. Ils Voilà, ont investi justement, sur voilà. eux-mêmes. Ils C'est sont développés. un modèle que vous donnez. Et à travers ce modèle-là, au moment où tout le monde les ostracisait, ils ont développé leur école, ils ont développé. Aujourd'hui, Cuba a la meilleure médecine au monde. Ah. Voilà. Et l'agriculture, comme beaucoup Exactement. d'autres, et les universités. Et aujourd'hui, l'Afrique doit Et faire c'est les mêmes. juste une île en plus. Regardez Ouais, même un que même il continent. y a certaines choses qui sont enseignées dans nos universités qui ne répondent à aucun besoin sur le terrain de la réalité. Et qu'est-ce qu'on en fait? Regardez, en Côte d'Ivoire, on nous parle de milliers de docteurs, mais ces docteurs-là, quelle est l'effectivité de ce qu'ils ont appris sur la vie des personnes vivantes en Afrique? C'est aussi ça la question de la connaissance. Il ne suffit pas d'aller apprendre pour dire que j'ai appris, mais qu'est-ce que ça va procurer à l'humain qui doit être toujours au milieu du développement? Et donc la question de fond demeure toujours. C'est-à-dire qu'il faut être soi-même, mais à travers le travail, c'est cela que j'allais dire. En tout cas, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Et vraiment, votre émission, c'est bien parce qu'on peut discuter. C'est comme si on est en train de préparer, chacun met les ingrédients pour faire la Effectivement, sauce, quoi. effectivement. Mais Et franchement, c'est important qu'on se pose des questions, les vraies questions, et on en discute et on essaie de trouver des solutions. effectivement. Donc, c'est une très bonne Effectivement. émission que vous avez. Merci Et beaucoup. merci. Et nous aussi, Au revoir. nous vous disons merci pour cette première participation. Et moi, j'aime ça beaucoup. Vous avez élevé le niveau du débat à un débat intellectuel. C'est une classe intellectuelle, mais vous avez vu notre perspective qui est très bonne. Et nous souhaiterions que ce ne soit pas la dernière. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a reçu. Et vous ne quittez pas, vous Merci beaucoup. restez. J'allais saluer tous les auditeurs. Et pour votre première participation, vous aurez droit à la conclusion aujourd'hui. Et Ah, la voilà. conclusion. Et donc, mesdames et Merci pour messieurs, d'abord. ça a été un Ok, énorme salut. plaisir. Et vous Pardon. avez vu notre mère aujourd'hui qui est avec nous, notre mère Israël qui est avec nous. Et on a été contents. Je salue tous les élèves de la classe. Je salue tous les dignes fils et toutes les dignes filles de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire en particulier. Je salue surtout le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara.
J'allais saluer des personnes dignes en foi et en humanité, comme M. Kone Adama, M. Koudou Marius, Sulio Kobarga, le roi du printemps, la mère d'or au travail, le frère Meïté Teufeut, Yann, Walter Otto et des milliers d'élèves de la classe, sans oublier, toutes nos mères et ces personnes qui sont allées à la Mecque et quand elles sont revenues, elles me disent, éclaireur, quand j'y étais, nous avons prié pour vous et pour toute la classe. Il ne faudrait pas qu'on oublie ces personnes-là parce que, au travers des milliers de kilomètres qui nous séparent, ces personnes ont pensé à nous dans les différents points de concentration d'énergie spirituelle. Et je leur dis merci pour tout ce qu'elles ont pu faire. Je dis merci à M. Abdoulaye Berthé. Merci à tous ceux qui aiment la vérité. Et je le dis encore, n'ayez pas honte de soutenir ce qui est bon. N'ayez pas honte d'aimer ce qui est beau. Et actuellement en Côte d'Ivoire, ce qui est bon s'appelle Alassane Ouattara. Et ce qui est beau s'appelle Alassane Ouattara. Ce n'est pas l'homme physique qu'on regarde, mais c'est le travail qu'on regarde. C'est ce qui va apporter aux générations à venir qui est important pour nous. Et c'est ce que nous voulons. Désengagez-vous de toutes les personnes qui vont vous conduire vers la violence, vers un lendemain incertain, et soyons nous-mêmes, et soyons dignes d'avoir connu Alassane Ouattara et de le supporter. Chère mère, vous avez la conclusion. Je salue et je remercie tout le monde qui a participé à cette émission. Et en fait, je voulais dire que, comme on dit, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et la Bible dit les premiers seront les derniers. En fait, ça va revenir à comme c'était en fait avant. Effectivement. C'est juste qu'on doit se réveiller en fait. On était dans un sommeil et là, on est en train de se. On bouge quoi, on commence à se réveiller doucement et. Et l'Afrique sera grandiose comme elle a toujours été. C'est ce que je peux dire, quoi, en fait. Merci On beaucoup. y arrivera. On Merci reprendra beaucoup. notre place comme on sera qui on est, comme on a toujours été depuis la création. Donc c'est ça que je voulais dire, en fait. Merci beaucoup, chère mère. Et comme je le disais, souhaitons que cette première fois soit une porte ouverte pour que vous puissiez nous faire apprendre surtout de vos compétences intellectuelles. Ça sera avec beaucoup de plaisir, puisque nous sommes tous ici des élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité. Merci Merci. beaucoup et vous passez une excellente Merci. soirée. Merci beaucoup. Moi aussi. OK. Et à tout le monde. Au OK. revoir. Bye. Et donc, chers élèves de la classe, tout ce que le frère Hassan avait dit, la preuve en version PDF ou PDF a été mise dans les commentaires. Prenez et vérifiez, mais les questions de fond demeurent. Si Odiené, le Dengélé, le Kabadougou a reçu tous ces fonds, comment se fait-il que le stade est en décrépitude? Comment se fait-il que l'hôpital général d'Odiené est un mouroir? Comment se fait-il que le marché d'Odiené est en décomposition? Comment se fait-il que le rond-point central est en décomposition? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de scanner dans les hôpitaux? Comment se fait-il que des enseignants et bien d'autres fonctionnaires ont des difficultés pour se loger? Mesdames et messieurs, je vous dis merci. Que la paix et la miséricorde de Dieu demeurent en chacun de nous. Merci beaucoup.